bâtiment qui ce soir est dans un manoir au milieu de la Camargue. Ce bâtiment d'aussi loin qu'on a pu retrouver date des années 1880. C'était un manoir agricole du domaine fruitier. Nous allons essayer de rentrer en contact des entités si entités il y a ce soir. Paul s'est de nous perturber parce qu'on vient d'avoir le détecteur de mouvement qui vient de s'allumer. Il y a un gros bout. Juste derrière, c'est pour juste ça. Derrière. Et il vient de se rallumer juste là à l'instant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu perturbé. Voilà, c'est pour ça que je parle en même temps et que je regarde un peu à droite. Voilà, c'est pas nous qui les allumons parce qu'ils sont dans une position que pour que nous, dans cette pièce, nous les faisons pas allumer. Voilà. Bon, on va commencer l'enquête parce qu'apparemment il y a un début d'activité. Apparemment. On a fait un petit chemin, justement, avec le détecteur EMF et les K2 et les détecteurs de mouvement pour voir si ça peut nous amener quelque chose. Pourquoi ça s'est éteint? Parce que ça s'est allumé, mais ça s'est éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Une fois que c'est passé devant, ça s'éteint. Toute la pièce. On va basculer en mode nocturne. Qui pose des questions? Non, je prends une BDM classique. BDM classique, on commence. Bah, je commence. Tu commences? Chacun se met dans un endroit et ne bouge plus. Moi, je me sens par terre. Moi, je me mets au milieu. Hein? Je suis au milieu de la pièce. Dès que quelqu'un bouge ou frappe quelque chose ou quoi, il me dit. Bonsoir, nous sommes une équipe de 5 personnes. Nous aimerions essayer de rentrer en communication avec s'il y a des quelconques entités, si des entités sont présentes. Donc moi je m'appelle Stéphane. Pouvez-vous vous présenter ? Êtes-vous une ou plusieurs entités à vivre ici? Est-ce que c'est vous qui avez balancé une petite bille de ou bien plastique? Si oui, est-ce que le salon de l'étudiant que nous vous dérangeons? C'est derrière Fred.
passer quelque chose, vous vous approchez de toutes les petites lumières que vous voyez. On vient sans aucune animosité. On vient vous donner la parole. Pouvez-vous vous manifester? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que vous êtes rattaché à quelque chose ici? Si oui, à quoi? Est-ce que vous travaillez dans cette ancienne exploitation agricole? Est-ce qu'il y a un accident ici? Tout à l'heure, quand on a parlé de l'escalier, j'avais mal à la tête. Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose quand on parle de ça? De ce qui aurait pu se passer? Un accident? Un suicide? Vas-y, mets un petit peu la lumière, Fred, d'accord. Comment on en est? Quelque chose de non dit? Si quelqu'un marchait. Avez-vous conscience de votre mort? Non, moi j'ai pas entendu. Tu veux quoi de quoi comme on peut attendre que mon petit s'en fiche. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Déjà, tout un homme. Un tout femme.
êtes plusieurs ici. Vous êtes plusieurs, vous êtes combien? Il
Qu'est-ce qui s'est passé? Répétez-vous. Vous êtes tombé? Allez-y.
pas là pour vous buter. Présent. C'est quoi ce message? Est-ce que vous voyez bien la vie à partir de là? Est-ce que vous arriverez à partir d'ici? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Êtes-vous bloqué, prisonnier du vieux? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelle lumière? Répétez ce que vous avez dit. Dehors, on aura des réponses. Ou est-ce que vous voulez que nous partions tout simplement? À toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Nous avons entendu plusieurs réponses plus ou moins intelligentes. Pas tant au niveau d'ici. Enfin, si, au niveau d'ici, ça a commencé à avoir, nous avons commencé à avoir quelques réponses dès que nous avons allumé la Spirit Box, en fait.
C'était pas tout le temps très clair, mais on a compris quelques bribes de mots. On serait même tombé sur une entité d'origine hispanique. Donc on a conversé un petit peu en espagnol. Puis, depuis le début, j'avais un truc dans les dans l'escalier là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... Enfin, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aller vers l'escalier, voir ce qui s'est passé. Et là, on a eu un bon lot de réponses intelligentes, de réponses directes. Vincent, qu'est-ce que tu as ? Oui, des réponses cohérentes aux... Et surtout direct, et surtout direct aux questions qu'on a posées. Exactement. Le balayage des scans de la Spirit Box. Ça ne chauffe plus qu'une radio. Ça ne chauffe plus qu'une radio. Donc, c'est vraiment des bribes de mots, vraiment. Typique, en fait. Typique, je réponse d'entité parce qu'il n'y a aucune radio qui passe où on est. Et on a fait tourner la Spirit Box quelques temps pour vérifier. Si les radios ont chopé, on ne chope absolument pas la radio. Donc là, je ne peux pas émettre de doute. C'est ce qu'il faut qu'on écoute. D'habitude, il y aura le débrief. Donc. Voilà. Dans le débrief, on verra vraiment ce que qui disent quand vous comprenez. Et Christelle qui a entendu ses premières voix. Ouais, c'est très bien. C'est génial. Alors, c'est pas encore ce qu'on a, mais ça a l'air d'être des réponses. Oui, c'est déjà très intelligent. C'est très bien.